Ouais, ils sont venus nombreux déposer une fleur donc, qui est donnée par l'association Les Coquelicots. Donc voilà, les gens viennent directement fleurir la stèle de Coluche en mémoire. Et ils sont nombreux à venir donc avec les fleurs pour rendre hommage à cette personnalité hors du commun qui, pour certains d'ailleurs, dont la mort pour certains reste un mystère d'ailleurs. Madame, vous avez connu Coluche? Vous avez connu, non? Oui. Non, vous l'avez rencontré? Non. Vous avez été à ses spectacles? Non, non, non plus. Non, non. Mais qu'est-ce que vous pensez de... On dit que c'est un accident de moto, vous y croyez, vous? Ah, c'est ce qu'on a toujours dit, hein. Ouais. Ça vous laisse pas, disons... Non? Vous pensez que c'est vrai? Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr? Vous, c'est sûr? Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Il manque actuellement Coluche, hein, j'imagine. Il manque, hein, non? Oui. Oui, hein. Peut-être parce que dans une époque particulière aussi, une époque un peu... Non? C'était son jour, Coluche. Ouais. C'était son jour. Mais il manque actuellement. Je veux dire, on aurait besoin d'un Coluche, sûr, non? Mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Tout ce qu'il a dit, il a lancé. Il a lancé. Ouais, ouais, c'est sûr. Tout ce sketch, tout ça. C'était un visionnaire, un petit peu. Hein? Voilà. Ouais. Il y a des gens comme ça où... Ah, c'est beau. Éternel. Ouais, c'est vrai. Et beau Coluche. Voilà, c'est bien. Ouais. Non, vous ne l'avez jamais rencontré, madame, non? Non, mais j'étais voulez... pas loin. Quand moi, j'habite à 300 mètres d'accord. Quand c'est arrivé. Mais ça fait 15 ans que je m'occupe. Ah, 15 ans que vous... Si vous avez entendu parler de Charlotte de Mistel, ben c'est moi. D'accord, c'est vous, d'accord. Très bien. Tant que je peux. Très bien, très bien. Tant que vous pouvez, oui. Oui, après, oui. Je passe là, un petit à petit. Oui, mais c'est de personne. Le Gérard Archimbault, le... Oh. C'est lui qui... Ah, voilà. Ah, il est là. Voilà. On ne bouge plus. Ne bougez plus. Voilà. Attends une minute, j'ai mal au rein déjà. Oh, encore, tu râles. Mais fais un sourire. Voilà. C'est de la famille. C'est la famille alors qui vient. Ouais. Voilà. C'est la grande famille en fin de compte. Hein. Ouais. C'est vrai. Allez, c'est bravo. Vrai que ça doit être fatigant. Eh bien, vous n'êtes pas à l'école, vous? Non. Et pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Parce qu'il n'y a pas d'école. Chaque fois que je viens ici, il n'y a jamais d'école. Moi, je ne sais pas quand est-ce que. Je voudrais bien savoir, monsieur le maire, il est où, là, pour y demander. Toi, tu n'as pas d'école? Non, on s'est déjà vu ce matin. Oui. Les dents n'ont pas poussé, par contre. Hein. Bon, il faudrait en acheter des dents. Hein. Allez, ma photo traditionnelle. Ah, mais tous les ans. Ah, enlevez-moi du frigo parce que j'ai froid dans le dos, hein, je crois. Il va falloir te payer. Ah, ouais, là, maintenant, faut payer. Hein. C'est bon? C'est bon, on va pas insister parce que là, c'est parti pour toute la journée. Hein.